Bonjour. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à la veille de ce grand événement majeur pour Épinal, ce grand événement sportif, le championnat de France de cyclisme professionnel sur route. C'est un événement sportif majeur, mais c'est aussi un événement avec des retombées économiques très importantes pour notre territoire. Et après ce que nous venons de vivre, ce sont nos commerces, ce sont les restaurants, les cafés, les hôtels qui vont bénéficier bien sûr d'un tel événement, puisque ce sont des milliers de touristes qui vont arriver ici pendant 4 jours sur Épinal. Bien sûr, les bacheliers pourront rejoindre leur lieu d'examen. Bien sûr, les scolaires pourront rejoindre leur établissement. Vous pourrez accéder au centre-ville. Et dimanche, les électeurs pourront bien sûr rejoindre les bureaux de vote. Les services de la ville, les services de l'État, la Fédération française de cyclisme travaillent depuis des mois pour une organisation optimisée et qui permet effectivement de pouvoir et accueillir ce championnat de France, mais aussi de pouvoir continuer à avoir une ville accessible. Toutes les questions que vous vous posez, vous pourrez les retrouver, vous trouverez les réponses sur le site de la ville d'Épinal. Nous venons de faire une foire aux questions qui permet de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et je remercie également les médias locaux qui communiquent depuis plusieurs semaines sur l'organisation de cette manifestation. Alors, très bon championnat de France à tous.